jamais été dans un stade de foot et quand je vois Payet tout le goal de l'OM, je me dis c'est incroyable de voir son rêve. Le gardien de Rocheville, il aime bien l'OM et... Pas qu'il y ait une séance de tir au but alors. Oui, ça c'est sûr. Marseille, c'est mon équipe de cœur. Et du coup, bah... Je sais pas en vrai qui je préfère entre Rocheville et l'OM. Quand même, j'aime le foot et... Surtout Dimitri Payet. Ça va être un match très difficile, avec beaucoup de suspense. Compliqué, mais on va croire en eux. On va croire en notre équipe et ils peuvent le faire. Désolé, mais je peux pas trop parler parce qu'il y a le logo là. J'espère que le Canet va gagner aussi. Et Marseille aussi. On va essayer de tout donner et vivre Rocheville. Les occasions, il y avait les centres, etc. Ça plantait pas. Et ils ont fait l'erreur à pas faire, le penalty. Milic, il a planté. Hein. On va quand même pas faire les prétentieux, mais effectivement, on les a vus beaucoup courir parce que Marseille a quand même mis du rythme dans le jeu. Maintenant, il nous manque plus que allez, un ou deux autres buts pour assurer cette qualification. Tiré, c'était très très bien et j'espère que Milik il gagne encore, il remarque encore une fois. Là, on a fait rentrer deux joueurs qui sont des bons ailiers, on va voir ce que ça donne, mais on en veut plus contre une petite équipe comme ça, on veut marquer, gagner et aller au bout de cette Coupe de France. Charme de la Coupe de France, hein, on tremble en première mi-temps et après on fait le travail. Moi je suis fière de l'OM et même si c'est un petit match, on a,
on a bien joué quand même. Première, on les a laissés s'épuiser, puis après, on a montré qui on était, quoi. Une belle équipe du Canet quand même. Il faut tenir à les féliciter pour une équipe de nationale. Ils sont venus jouer au Vélodrome. Je pense qu'ils ont pris du plaisir autant que nous. Il y a quand même une belle ambiance aujourd'hui, malgré qu'il n'y a qu'un virage ouvert. On a pris du plaisir, les joueurs ont dû prendre du plaisir. Une victoire 4-1, ça fait toujours du bien. Rejoins la communauté OM sur YouTube. Abonne-toi en cliquant ici.